Bonsoir, le temps n'était pas fameux ce mercredi, sauf au sud-est où le soleil et le vent continuent malheureusement d'attiser les violents incendies et en particulier dans le Var où la situation reste ce soir préoccupante. Ça va malheureusement le rester demain avec encore en matinée du soleil et un vent sensible. Ailleurs, beaucoup plus de nébulosité, en particulier de la Vendée jusqu'au nord-est avec un ciel couvert et quelques gouttes. L'après-midi, perturbation toujours axée entre les Charentes et le quart nord-est, accompagnée de quelques faibles pluies. Vous retrouverez les éclaircies près de la Manche et puis le soleil va se maintenir des Landes jusqu'aux Alpes et à la Méditerranée avec encore malheureusement de fortes rafales de vent, notamment du côté de la côte varoise, des rafales à 70 km à l'heure. Les températures de votre jeudi matin, entre 12 degrés près de la Manche et 21 pour la côte d'Azur, et l'après-midi, valeurs toujours contrastées, en dessous des normales de saison sur une grande moitié nord, mais toujours bien estivale dans le sud, 29 à Toulouse, 31 pour Montélimar et jusque 34 degrés pour le Languedoc. Votre tendance avec vendredi, des conditions ensoleillées attendues dans le sud, passages nuageux et éclaircies alterneront au nord. Vous notez toujours le vent fort attendu sur la côte d'Azur et les températures vont commencer à remonter un petit peu dans le nord. Au sud, elles resteront plus chaudes et estivales. Pour votre week-end samedi, ça va commencer sous les nuages entre la Bretagne et la Belgique avec quelques gouttes au programme. Ailleurs, ça sera plutôt lumineux avec de belles apparitions du soleil, peut-être un orage en fin de journée près des reliefs et notamment près des Alpes, et les températures plutôt estivales l'après-midi, 25 à Paris, 27 en Alsace, 31 pour Lyon et 33 à Marseille. Ça restera toujours plus frais près des côtes de la Manche. Pour la seconde partie du week-end, dimanche, des nuages dominants attendus dans le nord et dans l'ouest, ailleurs plutôt de belles éclaircies, mais aussi un risque orageux en fin de journée, un risque orageux qui va se renforcer lundi entre le sud-ouest et le nord-est, plus de nuages et de fraîcheur pour le nord-ouest, plus de soleil et de chaleur pour le sud-est, et puis enfin pour mardi et pour mercredi prochain, la dégradation orageuse devrait se décaler mardi vers le sud et vers l'est du pays, s'évacuant ensuite pour mercredi avec le retour de belles éclaircies. On affinera ces prévisions dans les prochains jours. Demain, jeudi 27 juillet, nous fêtons les Natalies et nous perdons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée à tous et à demain.